conférence, elle s'inscrit aussi dans un cycle. Donc, on va être... on le voit, voilà. On le voit ici. Donc, dans un cycle où on va être emmené dans une formidable aventure du développement cérébral à travers donc, différentes grandes étapes de vie. Puisque là, vous voyez qu'il y a plusieurs orateurs qui sont prévus dans le cadre de ce cycle, l'édition 2023. Alors, la prochaine conférence sera assurée par le docteur Besan, qui va nous parler de l'importance des 1000 premiers jours. Ensuite, en septembre, nous aurons le docteur Lhermignot, qui viendra nous parler de santé mentale chez l'enfant. Et enfin, nous clôturerons cette édition 2023, mais pas le cycle, mais ça, Louise en parlera. Donc, nous clôturerons cette année par la conférence du docteur Françoise Dominet, qui est médecin de l'adolescent et qui nous parlera de santé mentale chez nos ados. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue Louise. Et donc, oui, en effet, le cycle de conférences ne s'arrêtera pas en 2023. Le but, c'est qu'il se poursuive sur le long terme. Le but, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les données scientifiques puissent être accessibles au grand public. Et donc, dans les années futures, le cycle de conférences va continuer. On attend même pour l'année prochaine des orateurs internationaux avec des thématiques qui ne manqueront pas de titiller votre curiosité. Et comme je le disais, l'objectif, c'est vraiment de rendre accessible toute cette connaissance scientifique, que tout le monde puisse vraiment connaître comment fonctionne le cerveau et comment fonctionne la santé mentale. Et c'est aussi pour ça que l'ensemble des conférences se déroule en soirée et est gratuit. Et donc, je vais vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de pouvoir avoir les informations qui concernent nos conférences. Donc, pour l'instant, on est sur Facebook et sur LinkedIn. Et vous pouvez également d'ores et déjà vous inscrire sur notre newsletter, sur notre site internet. Donc, le site internet, c'est realisme0-18.be. Et donc, vous pouvez déjà vous inscrire pour notre future newsletter qui est encore au chaud, mais qui va sortir sous peu. Et si vous vous inscrivez sur le site, vous aurez la possibilité de recevoir toutes nos informations directement dans votre boîte mail. Et donc, ce soir, c'est le docteur Barea qui nous fait l'honneur de lancer notre cycle de conférences. Le docteur Barea est neuropédiatre, il est neuropédiatre au CHU de Liège, il est chercheur au Giga Neurosciences, il est médecin du centre ressources autisme à Liège et il est aussi directeur d'un centre de revalidation ambulatoire. Et donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec le docteur Barea qui va nous parler de ce qu'il appelle l'époustouflante saga du développement cérébral. Et nous vous donnons rendez-vous juste après son exposé pour des échanges, puisque vous aurez la possibilité de poser vos questions au docteur Barea. Nous vous souhaitons une bonne soirée riche en belles découvertes. Merci, merci pour cette introduction. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je suis ravi et honoré d'être parmi vous ce soir, ici durant la semaine du cerveau, qu'est Van Beneden. Van Beneden, qui était un des plus grands biologistes et embryologistes de son temps. Et donc, quoi de plus beau que d'être ici ce soir devant vous pour vous présenter le cerveau et plus particulièrement le développement du cerveau. Alors, le cerveau, représenté ici à droite, est un organe, donc dans la boîte crânienne, constitué de plus de 10 milliards de cellules nerveuses qu'on appelle des neurones, représentées ici à gauche. Au niveau du neurone, on constate donc qu'il y a un corps cellulaire en son centre, où on retrouve le noyau, on retrouve différents organites qui sont essentiels pour la survie du neurone et son bon fonctionnement. Et puis on observe différentes ramifications. On va voir un type de ramification qu'on appelle les dendrites, qui sont plus à l'arrière-fond, qui sont des ramifications par lesquelles les messages des autres neurones vont venir donc vers le centre, vers le corps du neurone. Et puis, nous avons un autre prolongement, plus ici en antérieur, qui est souvent unique et qu'on appelle l'axone, qui lui va permettre, par contre, l'influx du message nerveux vers une autre cellule, qu'elle soit un neurone, une cellule musculaire ou autre. Alors, les neurones, comme ça, vont communiquer entre eux, avec les autres neurones, ou avec d'autres cellules, via des influx électriques. D'accord ? Chaque neurone peut être connecté à plus d'un milieu de neurones, ce qui rend assez rudimentaire, finalement, les ordinateurs contemporains. Les neurones sont apparus avec les animaux.
les traces les plus anciennes d'animaux qu'on a à ce jour ont été retrouvées à Ediacara. Donc, on parle des fossiles d'Ediacara, donc retrouvés en Australie. Ils sont datés de 575 millions d'années. Ben, qu'on pense que les animaux sont apparus il y a encore plus longtemps. Alors, on devine au niveau des animaux, différents coraux, certains mollusques, quelques vers plats, d'accord? Et une des caractéristiques fondamentales des animaux est de pouvoir percevoir leur environnement afin d'y réagir pour augmenter leurs chances à la fois de reproduction et de survie. Alors évidemment, le système nerveux qu'on retrouve dans les animaux est très variable d'une espèce à l'autre. Si on prend un animal assez primitif, comme c'est le cas ici de l'hydre cnidaire, on constate que l'hydre est pourvu d'un réseau neuronal assez diffus finalement. Il n'y a pas vraiment de centre névralgique à proprement parler. Et c'est un réseau qui entoure une poche un peu particulière, qui est une poche gastrovasculaire, comme on l'appelle, qui est une sorte d'estomac. Et ce réseau-là donc, permet à la fois la contraction et l'expansion de cette fameuse poche. Si on prend un être un peu plus évolué, comme c'est le cas de l'étoile de mer, là on constate par contre qu'il y a un anneau nerveux central. Et à partir de cet anneau-là, il y a différentes radiations, une grosse par branche de l'étoile de mer ici, ce qui permet des mouvements beaucoup plus complexes. Alors avec l'évolution est apparue ce qu'on appelle la céphalisation, qui est un processus qui permet la création, en général au pôle antérieur, d'une tête ou d'une pseudo-tête, avec une accumulation d'un amas de neurones qui vont progressivement former ce qu'on va appeler du coup le cerveau. Alors souvent il y a des relais périphériques, comme c'est le cas chez les insectes, avec des ganglions segmentaires qui permettent de mieux organiser l'influx nerveux et qui peut rendre plus complexes les demandes, notamment motrices. Les mollusques, sur le plan neurologique, sont assez intéressants à étudier parce qu'il y a une forte corrélation entre l'architecture du réseau neuronal et leur vie, leur mode de vie. Si on prend par exemple un mollusque sessile, qui a peu de mouvements, comme c'est le cas ici du chiton, on s'aperçoit finalement que le réseau neuronal est assez peu développé. Donc on devine un anneau nerveux un petit peu au pôle céphalique, mais qui n'est pas très bien déterminé, quelques ganglions. Bon. Quand on le compare évidemment au calmar, on voit que le calmar, qui est un prédateur, a un cerveau relativement complexe avec des relais périphériques, ce qui est évidemment indispensable, d'une part pour toutes les afférences sensorielles, notamment provenant des yeux, mais également indispensable pour la vie de prédation du calmar. Et on sait, avec quelques expériences relativement modernes, que le calmar est capable de réaliser des tâches relativement complexes. Puis apparaissent les vertébrés. Alors les vertébrés ont la caractéristique d'avoir un système nerveux divisé en système nerveux central représenté ici en jaune chez l'homme. Donc on a le cerveau et la moelle épinière qui sont en général entourés d'un squelette qui sont le crâne et les vertèbres qui assurent leur protection. Et un système nerveux donc périphérique représenté en bleu qui comprend les nerfs périphériques et certains ganglions, donc ce sont les ganglions sensoriels. Alors, à travers les vertébrés, la différence entre les espèces reste quand même relativement conséquente. Si on prend typiquement le cerveau d'une souris ou d'un rat, on s'aperçoit que le cerveau de cette espèce est assez lisse. D'accord? Et avec l'évolution, on voit apparaître des replis, des plissages. Ce phénomène-là est fondamental pour permettre au cortex, pour permettre à la surface vraiment corticale, celle où se situe la plupart des neurones, à augmenter la superficie sans augmenter le volume du cerveau. À titre de comparaison, c'est ce qui permet, quand on compare typiquement avec le chimpanzé, l'homme a une surface corticale 10 fois plus conséquente que celui du chimpanzé par cette méthode-là, pour un volume similaire. On arrive aux alentours de 0,5 m² de surface, pour vous donner une idée. D'accord? Et donc, on en déduit que finalement, le nombre de neurones dans le cerveau est quand même important pour assurer un bon fonctionnement de celui-ci. Alors, quand on compare les espèces, on ne va pas s'amuser à chaque fois compter le nombre de neurones qu'il y a par cerveau. On pourrait, mais c'est laborieux.
on va plutôt s'intéresser à ce qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation, ce qui est un rapport entre la masse du cerveau et la masse du corps de l'espèce. Typiquement, si on prend la baleine, la baleine a un cerveau relativement lourd, je dirais, donc 2,5 kg jusqu'à 9 kg, mais totalement avec un gros corps derrière, et donc on a un coefficient d'encéphalisation de 1,8. Comparativement à celui de l'homme, où là, on a un degré d'encéphalisation beaucoup plus important, qui est de l'ordre donc de 7,5. L'autre facteur déterminant pour un bon fonctionnement cérébral, outre donc le nombre de neurones, est la rapidité de l'influx nerveux à travers les axones. Et avec les vertébrés, s'est développé un processus intéressant qui est celui de la myélinisation. La myélinisation, c'est le processus de formation de gaines autour de ces neurones qui va permettre justement à l'influx nerveux de passer beaucoup plus rapidement. Au lieu du coup d'avoir un influx nerveux qui se propage de proche en proche, on a un influx nerveux qui va avoir une conduction qu'on appelle saltatoire et qui va passer entre les différents nœuds, ce qui permet une augmentation de l'influx nerveux de près de 8 fois, on dirait, l'influx habituel qu'on a dans un neurone non myélinisé. Alors, on va aborder le chapitre du développement, principalement dans un premier temps sur le plan anatomique. Alors, de tout temps, l'homme s'est intéressé à son cerveau. Si on prend le père de la médecine, donc, qui est Hippocrate, représenté ici à droite, Hippocrate étudiait beaucoup les maladies par l'observation. Mais il connaissait finalement pas grand-chose au système nerveux central, parce que notamment sa religion lui interdisait tout ce qui était dissection. Un peu plus tard, Galien, ici à gauche, donc il a vécu plus ou moins 200 ans après Hippocrate, il était un disciple d'Aristote, et c'est un des premiers réels physiologistes qui a décrit l'influx qui passait du cerveau vers la périphérie, en passant par les nerfs, et ce grâce justement à des dissections qu'il a réalisées sur des animaux, et notamment le mouton. Il alla même plus loin. À cette époque-là, Galien émit l'hypothèse que l'âme était localisée au niveau de la tête et était à l'origine de mouvements volontaires, ce qui était pour l'époque complètement en contradiction avec l'idée que l'âme se localisait au niveau du cœur. D'accord ? Et cette idée, ce combat un petit peu de cardiocentrisme versus cérébrocentrisme pour l'âme, a par la suite beaucoup stagné durant le Moyen-Âge. Il a fallu attendre la Renaissance, avec notamment les croquis de De Vinci, pour aller plus en profondeur sur l'étude anatomique du cerveau. On voit ici très bien, les ventricules cérébraux, l'ébauche du système vasculaire. Et un peu plus tard, nous avons Wesel qui est le père de l'anatomie moderne, qui a complété donc les différents croquis avec ici une vue inférieure donc du cerveau, de la base du crâne, on voit le cervelet, les nerfs optiques, les yeux. Au XVIIIe siècle a été développé le microscope, on a pu aller encore plus en détail dans le tout petit, où on voit, on apprécie assez bien sur cette coupe du cerveau. Ici, les gyrations dont on a évoqué tout à l'heure l'importance, qui est représenté en mauve plus foncé. Et c'est là où se localisent, du coup, les différents corps des neurones. C'est ce qu'on appelle la substance grise, comparativement à ce qui est représenté à l'intérieur en plus pâle, qui est la substance blanche, qui sont en fait toutes les projections, tous les axones qui passent, qui vont connecter les neurones entre eux, mais qui vont également connecter les neurones avec le reste du corps. Alors, avec l'essor du microscope électronique, cette fois, on a pu aller encore plus loin dans le tout petit. On a ici une très belle image d'un embryon à quelques jours de vie et d'une coupe d'embryon ici sur votre droite où on voit l'étape de la neurulation qu'on va aborder tout à l'heure, qui est le prémisse donc, du développement du système nerveux central. Plus récemment, la science a vu vraiment une belle évolution avec l'essor de la génétique. Donc, chaque cellule dans notre corps est constituée de 23 paires de chromosomes, chaque chromosome portant des milliers de gènes, le tout étant transcrit sur un support universel qui est l'ADN. L'ADN, finalement, est composé que de 4 bases isolées, ATGC, donc adénine, thymine,
cytonine et guanine, qui représentent finalement un peu les lettres de notre bibliothèque génétique. Alors, la génétique, les gènes, jouent un peu le chef d'orchestre, comme nous allons le voir dans le développement du cerveau. Un chef d'orchestre qui fait bien son boulot va permettre de mettre en place de manière cohérente les différentes structures les unes après les autres. Évidemment, si on a un mauvais chef d'orchestre, donc si on a des mutations sur le plan génétique, il n'est pas rare de voir apparaître chez les patients des problèmes d'ordre neurologique, que ce soit suite à des malformations cérébrales, à des épilepsies ou un mauvais dysfonctionnement, comme on le constate dans différentes maladies neurologiques telles que l'X fragile, la trisomie, etc. Alors revenons à notre développement cérébral, je vous passe l'étape de la reproduction, on va passer directement à la fécondation et à la migration de l'ovule fécondé dans la trompe pour arriver finalement à l'utérus. Durant cette migration, l'ovule va se diviser en 2, en 4, puis en 8, et puis ressembler à une petite mûre, c'est le stade de la morula, avant de venir s'implanter donc dans la paroi utérine. À ce moment-là, l'embryon va créer autour de lui le futur placenta, et ce qui nous intéresse, nous, c'est le petit œuf qu'on retrouve au milieu, qui ressemble au final à une sorte de petite crêpe à deux couches, à ce moment-là. Troisième semaine, entre les deux couches de la petite crêpe, on va voir apparaître une troisième couche. Cette étape qu'on appelle la gastrulation est fondamentale, parce qu'à partir de ces trois couches vont se développer l'ensemble des organes du corps humain. Alors, comme dit précédemment, ces différents mouvements cellulaires sont sous l'ordre donc du chef d'orchestre qui a la génétique. On a quelques exemples ici avec notamment les gènes WNT. Évidemment, une mutation à ces gènes-là qu'on appelle homéotiques peuvent entraîner de graves malformations au niveau de l'être en développement, comme c'est le cas ici pour ces souris donc sans tête, comparativement à la souris l'embryon de souris qui est normalement développé à droite. La phase qui nous intéresse le plus, c'est la quatrième semaine, qui est la phase dite de neurulation. De la petite crêpe à trois couches, on va voir apparaître en son centre un sillon qui va se creuser progressivement. Les berges vont se rapprocher et on va voir apparaître un tube, un cylindre qu'on appelle le tube neural. On a ici des images en microscope électronique où on voit le même phénomène avec l'invagination donc du coup de l'ectoderme, la formation d'un tube avec un rapprochement des berges et nous voici avec notre précurseur du système nerveux central. La fermeture de ce tube neural commence au milieu de l'embryon et va de proche en proche vers les extrémités. Un défaut de fermeture de ce tube neural est à l'origine souvent d'une malformation assez bien connue qu'on appelle le spina bifida, où l'on voit donc ici une poche d'un tissu, d'un mélange de tissus, dont du tissu neurologique qui en général ne fonctionne pas bien, d'accord, avec souvent donc un impact au niveau de la motricité des jambes et une atteinte des sphincters. À partir de là, donc, nous avons notre tube neural et progressivement, on va voir, à partir de l'extrémité céphalique, une expansion volumique assez conséquente, un volume qui va venir vraiment entourer les autres structures cérébrales, hop, pour venir finalement constituer à la naissance un cerveau qui semble, sur le plan du moins macroscopique, tout à fait semblable à celui des adultes. Observez toutefois que le cerveau, quand on le prend, par exemple, l'air 5 mois de vie, il est tout à fait lisse. Et c'est vraiment avec l'expansion du volume qu'on va voir apparaître ces fameux phénomènes de plissage avec la formation de gyrus, d'accord, dont on a évoqué l'importance tout à l'heure. Alors, cette expansion de volume, elle est liée à deux phénomènes fondamentaux, qui sont d'une part la prolifération cellulaire et d'autre part la migration des neurones. On repart de notre tube neural. Au niveau du tube neural, on a tout autour de ce tube-là les précurseurs des neurones, les cellules progénitrices neuronales, d'accord, qui vont se reproduire, qui vont se diviser, bah, d'une part
pour entretenir ce fameux pôle de cellules progénitrices. Et à partir de ce pôle-là, vont se détacher certaines cellules qui vont être les futurs neurones et qui vont migrer à travers une structure qu'on appelle la glie radiaire vers la surface corticale pour aller vraiment en périphérie du cerveau. On va ainsi assister à six vagues de migration neuronale, d'accord, qui vont constituer du coup les six couches du cerveau. Alors tout ça évidemment ne se fait pas n'importe comment. Chaque neurone qui est créé au niveau du tube neural a déjà de manière prédéfinie sa position dans le futur cerveau et sa fonction qui elle-même est déjà prédéfinie. Et on le voit déjà quand on étudie les couches corticales qu'il y a de grosses différences en fonction des zones du cerveau. Si on fait un comparatif entre le cortex moteur et le cortex sensitif, on voit que le cortex moteur est très riche en cellules au niveau de la couche 3, qui sont les cellules pyramidales, qui envoient des informations aux différents muscles. À l'inverse, le cortex sensitif est très pauvre, relativement pauvre en cellules de la couche 3, mais par contre beaucoup plus riche en cellules de la couche 4, qui sont justement les cellules qui vont recevoir l'information sensorielle. Et ainsi, sur le plan cytoarchitectural, on peut déjà définir différentes zones dans le cerveau, qui sont appelées les zones primaires, secondaires, tertiaires. Les zones primaires sont les zones qui reçoivent directement l'information de la périphérie. On a notamment les aires visuelles primaires, ici en postérieur. On a les aires auditives, pour le son. On a les aires tactiles. Et on a également les aires motrices primaires qui envoient directement l'information aux muscles. Les aires secondaires, elles interviennent pour l'analyse de ces différents influx, que ce soit sur le plan visuel, auditif, tactile, ou pour la programmation, la coordination du geste moteur. Et puis nous avons les aires tertiaires, qui sont en général des aires beaucoup plus développées, qui sont des aires associatives, qui vont regrouper un petit peu ces différentes informations, et qui en général, dans l'évolution, apparaissent beaucoup plus tardivement. Et donc, nous voilà à la naissance avec un beau petit cerveau qui, donc encore une fois, sur le plan macroscopique, quand on le prend comme ça, il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui d'un cerveau adulte. On voit les différents lobes superficiels, donc le lobe frontal, pariétal, occipital, temporal. Alors, même s'il ressemble en effet à celui d'un adulte, sur le plan cellulaire, sur le plan histologique, il n'en est absolument rien. D'une part, parce que le cerveau va énormément grandir. À la naissance, le cerveau d'un enfant, il pèse 400 grammes. Celui d'un adulte, on est plus à 1200, 1400 grammes. D'accord ? Donc, on va voir une expansion volumique assez importante. Et cette expansion, elle va être surtout importante les deux premières années de vie. À la naissance, donc, on est plus ou moins à 35% du poids du poids adulte. Et à 2 ans, on arrive à 85%. Donc, on a quand même une croissance assez importante. À 5 ans, on arrive à 95%, et donc après l'âge de 5 ans, en général, on a une certaine stagnation au niveau de l'acquisition volumique. Alors, cette expansion volumique, elle est due à quoi? À plusieurs phases. D'une part, comme on l'a vu en période anténatale, donc avant la naissance, c'est essentiellement la formation de neurones qui va prendre l'essentiel du volume. Après la naissance, c'est pas fini. On va voir dans un premier temps surtout une augmentation de volume au niveau de la matière grise avec la formation de connexions entre les différents neurones. Et puis, dans un second temps, de manière parallèle, mais avec une activité beaucoup plus longue, prolongée, on va voir les phénomènes de myélinisation qui vont se développer. Ces phénomènes-là, qui sont d'une part la formation de réseaux neuronaux, de connexions interneuronales et la myélinisation, sont deux phénomènes qui se déroulent, qui commencent bien avant la naissance et qui continuent, au moins jusqu'à fin de la puberté, début de l'âge adulte. Donc on est là face à un processus dynamique qui est bien loin d'être terminé à la naissance. Alors pour reprendre la première étape qui est donc la formation de connexions interneuronales, on voit ici au niveau du cortex moteur qu'on va avoir une surproduction de connexions interneuronales, d'accord ? Donc le neurone qui déjà lors de sa migration a un job fondamental qui est de se lier, d'avoir des connexions avec le plus possible de cellules, que ce soit des cellules nerveuses, musculaires ou autres. D'accord ? Et puis, au fur et à mesure de la croissance du cerveau, au fur et à mesure des stimulations que l'enfant va avoir
au fur et à mesure de ce qu'il va percevoir dans son environnement, différents réseaux neuronaux vont être sollicités, vont fonctionner, et les réseaux qui ne sont pas sollicités vont tout simplement disparaître, ce qui entraîne en général une mort neuronale, qui est tout à fait normale et physiologique. D'accord ? Ce processus est fondamental parce qu'il va aussi permettre aux réseaux neuronaux persistants de se surperfectionner, de se spécialiser, d'être encore plus performants par la suite. Donc ici, j'avais évoqué au tout début l'importance du patrimoine génétique dans l'architecture, donc le développement anatomique du cerveau. Bien ici, une deuxième entité fondamentale qui est la stimulation environnementale de l'enfant et notamment du tout petit. Comme on l'a vu, la croissance cérébrale, elle est majeure les 2-3 premières années de vie. Et donc, un des grands fléaux de notre société actuelle est donc la consommation excessive d'écran. La consommation d'écran, certes, offre une certaine stimulation, mais une stimulation qui n'est pas assez riche et pas du tout adéquate pour nos bambins. Et c'est pour ça que différents scientifiques, l'ONU, etc., ont fait pas mal de campagnes pour interdire tout bonnement les écrans avant l'âge de 3 ans. L'autre processus fondamental, on l'a déjà évoqué, donc c'est la myélinisation qui permet donc d'accélérer l'influx nerveux à travers l'axone avec une vitesse qui va beaucoup plus vite, qui est de x8 par rapport à un axone non myélinisé. Alors, cette maturation cérébrale ne s'effectue pas n'importe comment, d'accord ? De manière très schématique, elle s'effectue du bas vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'arrière vers l'avant. En gros, ce sont d'abord les cortex qu'on appelle sensorimoteurs, donc qui s'occupent à la fois de l'aspect sensoriel et de la fonction motrice qui vont se développer dans un premier temps, ce qui est légitime, hein, vu qu'un tout petit, il va commencer par explorer son monde en se déplaçant tout doucement à quatre pattes, puis debout, il va voir, percevoir, goûter, sentir ce qu'il a autour de lui. Et puis, va se maturer ce qu'on appelle les cortex associatifs, hein, donc c'est toute l'analyse justement de ces différentes afférences sensorielles, pour enfin se terminer par le cortex préfrontal, vraiment devant, qui est la région où se localise ce qu'on appelle les fonctions exécutives, hein, tout ce qui est processus de planification, d'organisation, tout ce qui est l'imagination typiquement, d'accord, et qui est un organe qui se développe beaucoup plus tardivement, à la fois dans l'espèce humaine, mais également quand on le projette sur le plan de l'évolution. Donc, la conclusion de ce chapitre, c'est qu'il y a deux mouvements importants à garder en tête. Donc, il y a d'une part le déterminisme génétique, hein, donc qui permet le développement d'un cerveau correct selon un schéma bien défini. En effet, quand on a une malformation au niveau du cerveau, souvent il y a une corrélation avec son fonctionnement et on assiste alors du coup à un dysfonctionnement cérébral. Et puis, il y a l'influence environnementale, hein, donc qui va permettre d'établir les différents réseaux neuronaux pour que ceci soit fonctionnel. Ce qui permet du coup de faire la transition avec le second chapitre qui est celui du développement fonctionnel du cerveau. Alors rappelez-vous, l'homme depuis toujours a un intérêt pour le système nerveux central. Galien à l'époque avait déjà mis l'hypothèse que l'âme était au niveau du cerveau et était à l'origine des mouvements volontaires. Maintenant, pour le mettre en évidence, il a fallu quand même attendre les années 1800 avec notamment un certain Gall qui est considéré comme le père de la phrénologie, et qui a décrit certains comportements, certains troubles psychologiques en rapport avec son substrat anatomique qui est le cerveau. Il faut dire qu'à l'époque, on étudiait beaucoup les adultes cérébro-lésés, d'accord ? Et un cas d'école est celui de notre ami Phineas Gage. Phineas Gage, qui à l'époque était un entrepreneur dans le chemin de fer, qui, suite à une explosion, a eu une baramine qui a littéralement transpercé son crâne et abîmé son cerveau. Ici, c'est une reconstruction post-mortem, hein, des années plus tard. On voit assez bien donc la baramine, hop, qui traverse surtout et endommage le lobe frontal gauche du cerveau. Et cet homme a survécu à ses blessures. On le voit d'ailleurs là en photographie avec cette fameuse baramine. Ce qui est intéressant sur le plan clinique, c'est qu'on assiste à une importante dégradation au niveau du comportement de cet homme qui, à la base, était décrit comme serviable, sociable. Après son accident, il était tout à fait associable, irritable, ça n'allait pas. Et donc, on en conclut que le lobe frontal, en tout cas le lobe frontal gauche, était probablement une des régions à l'origine de la gestion des comportements.
Et puis ainsi de suite, en étudiant donc les différents adultes avec des dommages cérébraux, on a pu tout doucement organiser une certaine cartographie fonctionnelle du cerveau. On est là dans la pensée localisationniste. Chaque locus au niveau cérébral a une fonction prédéterminée et déterminée. Un autre bel exemple sont les observations de Broca et Wernicke, donc qui ont observé chez les patients atteints d'une aphasie, donc une perte de langage, des lésions systématiquement au niveau de deux régions spécifiques qu'on a appelées par la suite les aires de Broca et de Wernicke. Par la suite, non pas en contradiction avec la pensée localisationniste, mais en plus, on a émis l'hypothèse que ces différentes régions étaient interconnectées. Et si on prend de fait l'exemple du langage, ben entre l'aire de Wernicke et de Broca, on a un faisceau qu'on appelle le faisceau arché, qui, lorsqu'il est endommagé, entraîne également une aphasie. D'accord ? Donc là, on part sur la pensée qu'on appelle associationniste. Encore plus tard, on a vu que des dommages dans une région du cerveau pouvaient entraîner un dysfonctionnement, parfois bien loin de la zone endommagée, sans pour autant mettre en évidence le fonctionnement de cette perte fonctionnelle. Et donc, on part sur l'hypothèse que le cerveau fonctionne à ce moment-là comme un tout, et on est dans la pensée qu'on appelle la pensée globaliste, qui vient encore en complément des deux autres pensées citées au préalable. Alors, ça, il s'agit de l'étude chez les adultes. L'étude des lésions cérébrales chez les enfants est beaucoup plus complexe, parce qu'encore une fois, nous sommes dans un cerveau en plein développement, et qu'il y a un processus un peu particulier qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui rebat un peu les cartes dans la réorganisation fonctionnelle post-dommage. Si on prend, là encore une fois, le développement du langage, on a un enfant, un bébé avec une lésion au niveau de l'aire du langage, si cette lésion apparaît avant l'âge de 2 ans, on va avoir un transfert des fonctions des neurones endommagés de l'autre côté du cerveau. Et cliniquement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'enfant va pouvoir développer son langage de manière tout à fait correcte. Quand la lésion survient un peu plus tard, entre 2 et 10 ans, ce transfert interhémisphérique ne fonctionne plus trop bien. À ce moment-là, ce sont les neurones qui sont proches de la lésion qui vont reprendre un petit peu la fonction endommagée, et on va voir quand même un certain développement du langage. Par contre, quand la lésion survient plus tardivement à l'adolescence, en général, on arrive à ce moment-là à un tableau similaire à celui des adultes avec une faible récupération. Il y a un mais, évidemment. C'était trop beau. Ce concept de plasticité a quand même ses limites. D'une part, si on reprend l'enfant de 0 à 2 ans avec sa lésion, le transfert fonctionnel va être adéquat, mais il va quand même persister une certaine fragilité sur le plan du développement du langage. D'accord ? Donc, le transfert de fonctions hyper spécialisées reste quand même limité. Un autre cas, c'est quand on a des lésions diffuses dans le cerveau. À ce moment-là, fatalement, il n'y a pas de neurones qui sont fonctionnels pour pouvoir récupérer la fonction endommagée. Donc, à ce moment-là, souvent, on observe des tableaux quand même beaucoup plus noirs. Et dernière chose, quand le dommage survient avant la naissance, là, on a un effet tout à fait inverse, qu'on appelle l'effet de Debs, qui est que la perte neuronale induit à ce moment-là une perte totale de fonction. Donc, un enfant, un fœtus qui a des dommages cérébraux, souvent a des dégâts fonctionnels beaucoup plus tard, plus conséquents, je dirais, que si la lésion était apparue à 2, 4 ou 5 ans. Alors, après l'étude des malades, on va s'intéresser progressivement à l'étude des personnes saines. Début des années 1905, en France, le ministre de l'Instruction a demandé à un certain Alfred Binet de mettre en place des tests permettant de distinguer les élèves en primaire qui avaient besoin ou non d'aide au niveau des apprentissages. On assiste ici à l'émergence des premiers tests d'intelligence. Un peu plus tard, dans les années 1930, aux États-Unis, là c'est l'État qui demanda à un certain Bechler d'également élaborer des tests pour les adultes cette fois, afin de faire le tri entre les hommes qui étaient intellectuellement capables de combattre ou non, de partir à la guerre ou non. Et donc, progressivement, on a développé ces échelles neuropsychologiques, des échelles qui permettent l'évaluation donc, du fonctionnement du cerveau sur le plan cognitif. Alors, on a des échelles de fonctionnement globaux, qu'on appelle les QI, typiquement,
Ce n'est plus exactement un quotient que l'on mesure. Et puis, nous avons des échelles qui vont aller beaucoup plus loin dans la précision de certaines fonctions, comme c'est le cas au niveau du langage, d'accord, avec les tests logopédiques, ou le cas au niveau de la motricité avec les tests moteurs. Il y en a bien d'autres. En parallèle de la formation, de l'élaboration de ces tests, il y a différentes recherches et différentes techniques qui voient le jour, et parmi elles, une technique intéressante, c'est l'IRM dite fonctionnelle. L'IRM fonctionnelle permet de voir les régions qui sont hypervascularisées. Un cerveau, quand il fonctionne, il a besoin d'énergie. L'énergie qu'on retrouve principalement dans le sang, sous forme d'oxygène, sous forme de sucre. D'accord ? Et donc, quand on réfléchit, quand on fait un test cognitif, on va activer certaines zones du cerveau qui vont du coup être hypervascularisées, et c'est ce qui va être démontré donc avec l'IRM fonctionnel. Ce qui permettra évidemment d'aller dans le sens pour ou à l'inverse, dans le sens contraire, des différentes théories, et de pouvoir faire le tri en fonction de ce qui est mis en évidence. Une autre approche assez élégante est l'IRM par tenseur de diffusion, qui là met en évidence non pas les neurones activés, mais les circuits qui sont utilisés. On voit ici les différentes trajectoires des différents neurones. Et en général, ça donne d'assez beaux graphismes, hein, donc avec un code couleur. Donc la transmission gauche-droite, c'est en rouge. Du bas vers le haut, c'est en bleu. Et de l'avant vers l'arrière, en vert. Alors les tests neuropsychologiques sont intéressants pour évaluer un fonctionnement cognitif à un temps T. D'accord ? Maintenant, chez l'enfant, on a vu le cerveau, il évolue. Donc il est important de remettre tout ça selon une trajectoire un petit peu développementale. Et parmi les théories développementales, il y en a plusieurs qui se sont basées sur l'observation des enfants. Et il faut savoir que la place de l'enfant dans la société a beaucoup évolué ces dernières décennies. Dans les années 1800, il y a eu énormément de pandémies. Vous allez me dire aussi récemment, mais à ce moment-là, la mortalité infantile était extrêmement élevée. On était à 25% de mortalité infantile. Donc fatalement, l'enfant en bas âge, il n'était pas énormément, en tout cas, investi. On laissait un petit peu de côté. Mais même s'il était mis de côté, on voyait qu'il évoluait. Il apprenait à marcher à quatre pattes, à se mettre debout, à marcher tout court, à courir, à développer son langage. Et donc de là est née l'orientation qu'on appelle maturationniste, apportée notamment par Giesel, selon laquelle chacun d'entre nous donc est porteur d'un patrimoine génétique qui est à l'origine du développement fonctionnel du cerveau. Alors avec l'essor de la médecine, la mortalité infantile s'est bien améliorée et on a commencé donc à investir l'enfant et on s'est très vite rendu compte qu'en le stimulant d'une certaine manière, on pouvait le rendre relativement rentable. C'est comme le cas ici de la leçon de tricot. D'accord ? Et donc là, on met très bien en évidence l'influence finalement de la stimulation environnementale sur le développement cérébral et c'est donc par l'orientation behavioriste, notamment par Watson. Enfin, plus tard, nous avons Piaget qui intervient, qui fait un petit peu un mix de ces différentes orientations et qui avance le postulat que le sujet apprend en s'adaptant à son milieu. Alors, il y a d'autres, évidemment, orientations qui amènent l'intérêt de tout ce qui est culturel, tout ce qui est pédagogique et social dans le développement cérébral. Ici, je représentais les principaux courants. Et donc, on sait depuis très longtemps que les tout-petits ont des compétences qui sont très précoces et innées. Maintenant, il a fallu les années 80-90 pour pouvoir les mettre en évidence, et une approche assez élégante est ce qu'on appelle l'accession non nutritive. Donc, vous voyez ici un bébé, tout mignon, qui porte une sucette, et la sucette, elle est reliée par un câble à un ordinateur. Et cet ordinateur-là, il va analyser, il va calculer la fréquence de succion de l'enfant. Quand vous prenez un enfant, que vous le mettez dans un environnement calme, serein, connu, et que vous le laissez téter, il va téter selon un rythme assez lent, assez modéré. D'accord ? Puis dès qu'on va mettre quelque chose de neuf dans son environnement, qu'est-ce qui va se passer ? L'enfant il va être un peu perturbé, il va commencer à se téter beaucoup plus rapidement. Et donc là, on va pouvoir observer finalement ce que le bébé perçoit. L'expérience qui a été faite ici est une expérience au niveau de la langue. Donc on parle à un bébé selon la langue maternelle qui connaît bien, vu qu'il a été exposé durant la vie fœtale. Et puis, on va arriver avec une autre langue, parfois assez proche, parfois similaire, et on observe que peu importe la langue amenée, l'enfant va être capable de discriminer les différents sons qui sont apportés. D'accord ? Et ce,
a quelques jours de vie, hein. On a 5-10 jours de vie ici. D'accord ? Alors, ces compétences précoces, elles sont valables pour plein de domaines différents. Alors, Piaget avait rapporté une compétence précoce au niveau numérique vers l'âge de 7 ans. À ce moment-là, l'enfant était soi-disant capable de dire que les volumes de différents liquides étaient similaires alors qu'ils étaient dans des récipients différents. Mais plus récemment, Wynne a démontré que cette compétence numérique précoce est présente depuis bien plus longtemps, vers l'âge déjà de 4-5 mois. Il est possible de le mettre en évidence. Et ce, par un petit dessin animé. Pas bien les écrans, mais parfois ça sert. Donc, durant le dessin animé, on prend un petit Mickey, on met un écran noir devant le Mickey, on va rajouter un Mickey par le côté et on retire sa main. Deux fins possibles. Soit on abaisse l'écran, il y a deux Mickey, c'est normal. À ce moment-là, bébé, il continue à téter gentiment. Soit on abaisse l'écran, oh, il n'y a qu'un seul Mickey. À ce moment-là, le bébé, il est perturbé, il se met à téter plus fort. D'accord ? Les compétences précoces existent aussi pour la discrimination des visages. Les enfants tout petits sont capables de discriminer des visages de deux individus différents, mais c'est également le cas pour les animaux. Ils savent faire la différence entre des visages d'animaux, parfois tout à fait semblables, que nous, en tant qu'adultes, sommes impossibles à faire. Alors, nous, en tant qu'adultes, on ne sait plus le faire. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir progressivement une perte de ces capacités innées qui vont devenir spécialisées. Et typiquement, ici, dans la discrimination des visages, l'enfant va spécialiser dans la discrimination des êtres humains, enfin pour peu qu'ils soient évidemment élevés parmi nous. Rebelote, si on prend l'histoire du langage, rappelez-vous, le bébé est capable de discriminer des sons proches mais différents, et ce, dès les premiers jours de vie, cette compétence-là également va devenir de plus en plus fragile. Si on refait la même expérience à 6 mois de vie, 8 mois de vie, 10 mois de vie, on constate que ces compétences, elles ont tendance à diminuer. C'est une population contrôle. Et on l'observe très bien en clinique, hein, quand on observe justement des patients immigrés, les patients immigrés qui sont venus avant l'âge d'un an, deux ans, en général, vont développer ce qu'on appelle un accent natif. Contrairement à ceux qui vont venir plus tard dans le pays d'accueil, où là, souvent, ils gardent un accent de leur pays d'origine. Alors, à partir de toutes ces orientations, de toutes ces observations, ont été développées différentes échelles de dynamique développementale. Et parmi celles qui est, je dirais, la plus connue, la plus utilisée, parce que c'est assez facile, c'est l'échelle constructiviste apportée par Geisel. Rappelez-vous, Geisel, maturationniste, patrimoine génétique à l'origine du développement fonctionnel. Il émet à ce moment-là le postulat que le développement s'effectue en escalier, étape par étape. Typiquement, l'enfant, il apprend à ramper, marcher à quatre pattes, se mettre debout, faire deux pas, marcher, courir, etc. Sauf que, on connaît tous un bébé qui a sauté des étapes, qui n'a pas marché à quatre pattes, typiquement. Et à l'inverse, on connaît tous des enfants qui ont un retard dans un domaine particulier et qui, par contre, ont bien évolué dans les autres domaines du développement. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, face à ces différentes observations qui vont à l'encontre de la construction, de l'évolution constructiviste, a été développée l'évolution, une autre stratégie d'évolution qui est celle des évolutionnistes, durant laquelle donc le cerveau évolue par différentes stratégies qui arrivent en général en parallèle et qui permet justement d'expliquer cette hétérogénéité du développement. Alors évidemment, en clinique, c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser ce genre de théorie, et c'est pour ça qu'on reste encore avec des échelles de fonctionnement par étape. Une autre manière de voir la chose est ce qu'on appelle la trajectoire développementale. Quand on voit un enfant en consultation, on va le voir de manière relativement rapprochée en fonction des plaintes. On va s'apercevoir qu'un enfant standard, il va commencer à marcher vers 12-13 mois, élaborer ses premiers mots dans ces eaux-là, et puis va tout doucement se mettre à faire des petites phrases, à parler, à courir, et on s'aperçoit que sa trajectoire développementale est assez rassurante. Si on compare cette trajectoire avec celui d'un enfant porteur d'une déficience intellectuelle, on va percevoir que ce patient-là, l'acquisition de la marche est un petit peu retardé, mais pas nécessairement pathologique, qui va avoir du mal à parler, à communiquer, à rentrer dans les apprentissages. Et puis on constate qu'au fur et à mesure qu'on avance au niveau de l'âge, l'écart sur le plan développemental est de plus en plus conséquent. Quelque chose d'autre qu'on recherche en consultation de neuropédiatrie est la stagnation, voire la régression sur le plan développemental.
En général, quand il y a une perte inexpliquée de fonction, on n'aime pas. Ces patients-là nécessitent systématiquement des recherches complémentaires sous forme d'IRM cérébral, de bilan sanguin, génétique, métabolique et autres. D'accord ? Ce qui permet d'aborder du coup le dernier chapitre, qui est celui des troubles du neurodéveloppement. Alors, il faut savoir qu'on est tous inégaux face à des susceptibilités biologiques, sociales et environnementales qui vont du coup traduire notre développement sur le plan neurologique. Alors, depuis quelques années, ont été mis en évidence ce qu'on appelle des facteurs de risque de développer donc un trouble du neurodéveloppement. Et sur le plan biologique, un des premiers grands facteurs est la présence dans la famille proche, un frère, une sœur, un parent, d'un patient porteur d'un trouble du neurodéveloppement. Il faut savoir que le taux d'héritabilité de ces troubles est assez important. On arrive typiquement pour le trouble déficitaire de l'attention à 70-80% d'héritabilité. Donc quand on pose un diagnostic chez l'enfant, qu'on cherche un petit peu, en général, on voit papa, on voit maman, on se pose des questions. La présence évidemment de maladies neurologiques va impacter le développement cérébral. On a évoqué certaines maladies génétiques qui vont donner des problèmes de fonctionnement, l'X-fragile, la trisomie. On a certaines maladies métaboliques plus rares qui, là aussi, impactent le fonctionnement du cerveau, les malformations cérébrales. Pour rappel, il y a une corrélation entre la structure du cerveau et sa fonction. Certaines encéphalopathies épileptiques ou inflammatoires. Et puis, nous avons des maladies qu'on appelle somatiques, qui sont extra-neurologiques, qui, elles aussi, vont impacter donc, le développement du cerveau, que ce soit des problèmes d'ordre sensoriel, donc une perte d'audition, une perte de vision fatalement. Les cardiopathies congénitales qui peuvent entraîner des problèmes de développement neurologique et ce pour différentes raisons. Un cœur qui ne fonctionne pas bien, fatalement, va avoir du mal à envoyer du sang au cerveau qui va du coup pas avoir assez d'oxygène ou de nutriments pour se développer correctement. Par ailleurs, ces enfants-là avec des cardiopathies complexes vont souvent bénéficier d'interventions chirurgicales assez lourdes, parfois répétées. Et durant ces interventions, on peut avoir des micro-emboles qui vont venir endommager le cerveau ou des problèmes de tension artérielle. D'autres maladies, qu'elles soient endocriniennes, auto-immunes, digestives ou autres, vont également impacter du coup le cerveau, qui reste un organe relativement fragile finalement dans notre corps. Alors les facteurs de risque psychosociaux, il ne s'agit pas exactement de facteurs de risque, c'est plus des facteurs péjoratifs. On sait que les enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, sans domicile, ont plus de risques d'avoir des troubles du mauvais développement, ce qui est le cas également pour les patients qui sont pas bien stimulés ou mal stimulés. D'accord, on a parlé des écrans, mais les patients qui ont une souffrance psychologique ont aussi en général une stagnation sur le plan développemental, et ça, ce sera abordé plus en détail par le second séminaire du docteur Besan. Et enfin, donc, nous avons les facteurs environnementaux, donc tout ce qui pourrait finalement abîmer le cerveau avec, d'une part, les infections que l'enfant développe donc durant sa vie intra-utérine, donc les fœtopathies infectieuses avec le CMV, etc., qui sont des virus souvent avec des tropismes pour les cellules nerveuses. Tout ce qui est méningo-encéphalite bactérienne, virale, herpétique ou autre, également donc en post-natal. La prématurité, la grande prématurité, donc une naissance avant l'âge de 32 semaines, est un facteur de risque qui est bien reconnu, d'accord, et pour lequel a été mis en place depuis quelques années un suivi particulier. Avec le CAP 48, maintenant, tous ces enfants-là ont un suivi cognitif avec à chaque fois des évaluations à des âges clés jusqu'à l'âge de 5-6 ans, pour permettre justement de réorienter leur trajectoire développementale si on voit qu'il y a un écart. Tout ce qui est les anomalies d'ordre vasculaire, donc les AVC, les encéphalopathies hypoxo-ischémiques, fatalement peuvent endommager le cerveau. Idem pour tout ce qui est traumatisme crânien, souvent sévère, d'accord. Donc les petits bobos, les petites chutes, ça, en général, ça n'a pas d'impact sur le plan du développement cérébral. Et puis nous avons l'exposition à l'alcool ou à des substances psychoactives. Alors l'alcool, il est dommageable évidemment durant la grossesse. Donc quand une maman boit de l'alcool, l'alcool passe directement la barrière placentaire et va s'accumuler dans l'embryon, d'accord. L'embryon qui n'a pas à ce moment-là un dispositif mature pour pouvoir digérer, métaboliser correctement l'alcool. Donc l'alcool s'accumule de manière beaucoup plus conséquente dans l'embryon que chez la maman, d'une part, et d'autre part, elle va affecter directement le cerveau qui est à ce moment-là très fragile de par son développement. Il y a une autre population qui est aussi très à risque
d'avoir un mauvais fonctionnement cérébral avec la consommation d'alcool, ce sont nos adolescents. Nos adolescents qui boivent souvent beaucoup d'alcool en soirée, alors sur le moment même, sur les jours, les mois qui suivent, en général, on ne voit pas énormément d'impact négatif, enfin, sauf le lendemain. Mais sur le long terme, sur le long terme, on voit que, on observe, on sait maintenant que ces adolescents vont altérer une partie du cerveau qui est en plein développement à ce moment-là, qui est la partie antérieure, le cortex frontal. Et cela va induire des problèmes en termes de comportement. Ils vont avoir des patients en général beaucoup plus anxieux, déprimés. Mais aussi, sur le plan cognitif, avec notamment une perte au niveau de la flexibilité cognitive. Alors, une petite parenthèse concernant d'autres facteurs environnementaux qui m'intéressent énormément, ce sont les perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens sont tout un ensemble de produits, de mélanges qu'on retrouve dans notre environnement et qui, comme son nom l'indique, perturbent le système endocrinien. Il s'agit là de tout ce qui est dérivés plastiques, pesticides, certains maquillages, solvants, qu'on a tout autour de nous. Nous sommes tous, toutes et tous, exposés à un, voire plusieurs perturbateurs endocriniens. Alors, on observe fatalement des pathologies, des problèmes au niveau du système endocrinien, que ce soit au niveau mammaire, au niveau du pancréas, au niveau des organes génitaux, chez l'homme comme chez la femme, mais on observe également des dommages au niveau cérébral, avec une perte d'intellect et une augmentation, une majoration des taux de troubles neurodéveloppementaux. Et d'ailleurs, quand on compare ici à droite l'impact que représentent les perturbateurs endocriniens sur l'ensemble des organes, on constate que finalement, c'est le système nerveux qui trime en premier. Une belle étude de 2015 avait démontré que l'exposition à certains perturbateurs endocriniens pouvait être responsable d'une perte de 5 points de QI dans la population générale. Alors, 5 points sur 100, vous allez me dire, on ne verra pas énormément la différence. C'est vrai. Cela dit, quand on compare l'entièreté de la population, ce qu'on voit, c'est qu'on va doubler la population avec une déficience intellectuelle qui va passer donc de 2,25% à 4,5%. Et ça, par contre, c'est un coût relativement conséquent pour la société. Lorsqu'on voit un enfant en consultation du neurodéveloppement, un tout petit, 1 an, 2 ans, 3 ans, on va s'intéresser à plusieurs piliers du neurodéveloppement. On trouve ici, alors il y a 4 grands piliers qui sont décrits, il y en a plusieurs, ça dépend un petit peu de la littérature. On va décortiquer un petit peu son développement au niveau de la motricité globale, la motricité fine, le langage, la communication, et on va voir s'il existe une fragilité, un retard dans un ou plusieurs domaines. Alors la terminologie retard, on l'emploie souvent à ce moment-là, il ne s'agit pas exactement d'un diagnostic, on est plus sur une fragilité, une disharmonie développementale. D'accord ? C'est d'ailleurs un terme qu'on réserve pour les tout-petits. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, le caractère pathologique ne peut pas être tranché. Il existe une telle hétérogénéité du développement qu'il est impossible de trancher, de savoir, tiens, un enfant qui marche à 20 mois, est-ce que c'est réellement pathologique ou pas ? C'est fragile, d'accord ? Statistiquement parlant, on est dans la pathologie, mais sur le plan clinique, on ne l'est pas nécessairement. Et donc, on va mettre en place un soutien, des rééducations, des aménagements pour justement essayer de porter l'enfant. Et c'est seulement si les difficultés persistent qu'on va parler à ce moment-là de troubles. Un trouble du neurodéveloppement est quelque chose qui va persister sur le long terme. On va pouvoir essayer d'améliorer les choses, mais même sur le très long terme, même à l'âge adulte, en général, quand on creuse, il y a souvent une fragilité qu'on peut retrouver. Alors au jour d'aujourd'hui, avec la nomenclature actuelle qu'on retrouve notamment dans le DSM-5, la CIM-11, il y a 6 troubles du neurodéveloppement qui sont reconnus. Nous avons le trouble du développement intellectuel, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de la communication avec notamment les troubles du langage, ce qu'on appelait antérieurement la dysphasie. D'accord ? Alors tous les termes 10, ce sont des termes qu'on utilise encore beaucoup de nos jours, mais qui ont disparu des nomenclatures internationales depuis 2013. D'accord ? Maintenant, sur le plan administratif, il y a toujours des papiers qu'on doit remplir avec stipulant la présence ou non d'une dysphasie, dyspraxie, etc. Nous avons tous les troubles spécifiques des apprentissages au niveau de la lecture, de la mathématique et de l'écriture, ce qu'on appelait antérieurement la dyscalculie, la dyslexie, la dysorthographie. Et puis, nous avons les troubles moteurs avec le trouble du développement de la
coordination, ce qu'on appelait antérieurement la dyspraxie. Alors, chacun de ces différents troubles partage des caractéristiques qui sont communes. Comme on l'a dit, d'une part, il faut qu'il y ait une compétence moindre, d'accord, par rapport à la population générale, et ça, on va le mettre en évidence avec les fameux tests neuropsychologiques. Il faut que ça apparaisse durant la période de développement, d'accord. Mais là, il faut être un peu plus précis en fonction des fonctions étudiées. Typiquement, le trouble déficitaire de l'attention est quelque chose qu'on voit apparaître plus tardivement que les autres troubles en général. L'attention est une capacité qui se développe vers l'âge de 5-6 ans. Et donc, fatalement, on ne va pas parler de trouble attentionnel chez un petit bonhomme de 3 ans parce que, simplement, il n'a pas encore développé les régions cérébrales qui portent cette fonction. Et puis, dernier point qui est fondamental et pas toujours mis en évidence, il faut qu'il y ait un impact négatif pour l'individu, que ce soit au niveau de la scolarité, mais également de la vie quotidienne. D'accord ? Un enfant avec un trouble déficitaire de l'attention peut très bien compenser à l'école, avec finalement une évolution sur le plan des apprentissages tout à fait satisfaisante. Mais par contre, à domicile, c'est exécrable, il faut chaque fois répéter les consignes, ça nuit dans la dynamique familiale, à ce moment-là, il faut intervenir. Second point, en général, quand on a un trouble du neurodéveloppement, mauvaise nouvelle, souvent il y en a plusieurs. D'accord ? Pourquoi ? Ce n'est pas encore très, très bien compris. On postule le fait qu'il y a probablement un facteur sous-jacent neurobiologique à l'origine des différents troubles. D'accord ? On va donc chercher chez tous les patients avec un trouble du neurodéveloppement ce qu'on appelle les comorbidités, donc les pathologies associées, qui peuvent être d'ordre cognitif avec d'autres troubles du neurodéveloppement, d'ordre psychologique avec des phénomènes d'anxiété, de dépression, etc., ou voire médical avec des troubles alimentaires, des troubles du sommeil. Pour prendre l'exemple du trouble déficitaire de l'attention, celui-ci il est isolé que dans 30% des cas. Donc dans 70% des cas, il faut rechercher les comorbidités pour justement offrir une prise en charge globale du patient. Et d'ailleurs, parfois, on va prendre en charge en priorité les comorbidités avant de s'attaquer au trouble en question. Alors, quel que soit le trouble, une intervention précoce est recommandée. Alors, rappelez-vous, le cerveau se mature selon un schéma bien spécifique avec justement des pics de maturation qui vont constituer des fenêtres thérapeutiques assez intéressantes qu'on va exploiter. Et on va essayer de mettre en place du coup une rééducation à ce moment-là. L'objectif étant de tendre du coup vers la normalité. Et si on met une rééducation un peu plus tardive, on peut espérer une amélioration sur le plan clinique, mais cette amélioration-là sera moins efficace en général. D'où l'importance d'intervenir correctement à un bon âge. Typiquement, un enfant, un patient avec un trouble du langage oral qu'on le voit apparaître à 3, 4, 5 ans, il faut mettre la logopède à ce moment-là. Et c'est pas à 12 ans qu'on va s'amuser à essayer de rattraper toute la perte de langage qui s'est accumulée. Alors, une évaluation des compétences, des faiblesses, on l'a dit, est fondamentale, mais il faut également évaluer les forces parce que c'est sur ces forces-là qu'on va justement poser notre stratégie de rééducation en prenant en considération l'environnement donc du patient. Et pour ce faire, donc il y a différentes possibilités de prise en charge qui existent. Nous avons les différents réseaux médicaux, paramédicaux qui existent ici. J'ai remis ceux qui nous intéressent ce jour, avec notamment OpenADO, le réseau Réalisme, le CRAL pour tout ce qui est le centre de ressources autisme. Nous avons les diverses associations, les associations de parents pour les maladies rares telles que l'X-Fragile, les associations pour le TDAH. Et nous avons une littérature foisonnante, accessible à n'importe quel âge, en général, avec une littérature aussi également beaucoup plus scientifique. Alors, en conclusion, nous l'avons vu, le cerveau, il commence son développement très tôt durant la vie embryonnaire pour se finir que tardivement après la puberté. Il s'agit d'un processus dynamique dans lequel va s'entremêler des influences génétiques et environnementales afin de développer des réseaux fonctionnels. Ces réseaux fonctionnels vont pouvoir être évalués grâce à différents tests neuropsychologiques, donc qui permettent l'évaluation à un temps T du fonctionnement de l'enfant. Toutefois, étant donné qu'on est en plein développement, il faut savoir reprendre ce fonctionnement selon une trajectoire dynamique, sachant que sur le plan développemental, donc nous sommes tous inégaux face à des susceptibilités biologiques, psychosociales et environnementales, et que chacun de nous a un développement différent. Nous sommes donc uniques dans notre développement. Je vous remercie.